Il est temps maintenant pour la déclaration, les déclarations des députés. Député de Beaches et York, merci, Monsieur le Président. J'ai été inondé de courriels et d'appels et de visites de personnes qui sont touchées par l'autisme. La semaine dernière, j'ai eu des parents qui étaient en pleurs à la suite du système qui s'empire. Ils ont parlé des traitements de transformation qui leur ont permis de manger, de communiquer. Et certains sont passés d'être non-verbal et d'être très social, et que les traitements de l'IBI leur permettent d'avoir l'espoir d'avoir un emploi et d'une relation, même s'ils ne peuvent pas communiquer de manière normale. Il est brillant et il remarque tous les changements qui ont été faits d'une visite à un musée d'un an à l'autre. Mais sans les soutiens, il disparaît. Rita a dit qu'elle a dû quitter son emploi pour prendre soin de son enfant. La famille est en dette de plus de centaines de milliers de dollars. Emily, une étudiante universitaire, lui a dit à quel point les thérapies lui ont permis de se remettre de ses problèmes. Les parents auxquels j'ai parlé étaient très fâchés en étant caractérisés par la ministre en étant des manifestants professionnels. Comment ose-t-elle? Tout le monde est d'accord qu'on doit avoir un plan qui répond aux besoins de tous les gens. Peu importe l'âge de l'enfant, c'est illogique d'éliminer une liste d'attente tout simplement pour éliminer la liste d'attente si le résultat est que les familles, les gens et les enfants sont on leur nuit. Et si la tarte est trop petite, on doit en avoir une plus grande. Donc, je dois dire à la ministre, de la part de toutes les familles qui sont touchées par l'autisme, qu'il est temps de retourner au point de départ, à la case de départ, et de reconnaître que cette annonce de politique a été un grand échec et de recommencer à nouveau. Merci beaucoup. Déclaration de député, député de Stormont, Dundas, South Glengarry. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, je prendrai la parole pour reconnaître le décès d'Archibald McDonnell, qui a contribué à la prospérité et au bien-être de ma circonscription de Stormont, Dundas, South Glengarry. Archibald a grandi sur la ferme de Bicentennial. Il a cru dans les principes de redonner à la communauté. Ses résidents ont reconnu son leadership en l'élisant au conseil municipal et est devenu président de la circonscription. Au sein du conseil, il était très actif au niveau provincial. Il a été président du Temple de la renommée de South Glengarry. Il a reçu le diplôme de service dans l'agriculture en 1974, avait un très grand intérêt dans la généalogie et a desservi sur le comité, a permis à plusieurs personnes de retracer leur arbre généalogique. Lorsque je tentais d'avoir une carte de Glengarry, quand le comté de Glengarry, on m'a redirigé vers un site où les gens tentaient de trouver leurs ancêtres d'entrer en contact avec Archibald de l'Australie et de différentes places dans le monde. Il a laissé sa marque dans le monde. De la part de mes commettants, je voudrais présenter une condoléance à sa femme Isabelle et à ses enfants, Charles, Cathy et Lauren. Merci. Déclaration de député, député d'Ottawa Centre. Merci, M. le Président. Je voudrais lire au dossier les commentaires de Carrie Monahan, une maire de Barrhaven, qui est allée à une audience publique que j'ai eue samedi dernier. Elle a écrit, « Mon mari, Patrick et moi, nous avons dépensé 200 000 $ sur la thérapie privée dans 3 ans pour nos 2 enfants. Les réformes au programme provincial sont seulement dévastateurs, mais ça va nous ruiné. Durant les derniers mois, mon fils Jack a permis d'apprendre à faire sa toilette. Il peut reconnaître des photos et compter. Il peut faire le tri. Il peut reconnaître les relations entre une brosse à dents et différents objets dans la maison. Il commence à manger de nouveaux aliments. Il utilise
une cuillère pour manger du yogourt. Il apprend à utiliser des accessoires visuels pour reconnaître des objets. Je peux lui demander de mettre ses pantalons, il peut les mettre, il peut mettre ses propres bas, il peut tolérer être près de sa petite sœur. Et c'est ce qu'il fait avec 25 heures de thérapie par semaine. Mais moi et mon mari, nous allons nous sentir coupables qu'on peut tout simplement financer 15 heures par semaine de ses traitements. Le 27 juin 2019, cette thérapie sera retirée. Je veux que cela soit entendu par mes amis au sein du gouvernement et de demander le Conseil du Trésor d'avoir mieux comme résultat. Déclaration de député, député de York Centre. Merci, M. le Président. Dans ma très belle circonscription de York Centre, on a le plus grand nombre de gens de Philippins. Il y a Bathurst et Wilson, Rosedale Park, le monument de Rosedale, plusieurs boulangeries et toutes sortes de commerces qui enrichissent notre province. Malheureusement, je prends la parole pour appuyer les Philippins. Tragiquement, le 27 janvier de cette année, durant un bombardement, conjoints se sont attaqués à une église catholique dans la région de Rijal. Ils ont ciblé des pratiquants innocents et l'autre bombe a ciblé des premiers intervenants. 27 hommes et femmes ont été tués et 67 ont été blessés. Nous devons nous unir contre tout geste de terrorisme. De tuer des personnes innocentes n'est jamais justifiable et on doit toujours condamner ces gestes. Je suis sûr que je prends la parole au nom de toute l'Assemblée en disant que nous sommes en deuil pour la mort de ces personnes innocentes. Et nous voulons remettre nos condoléances à tous les Philippins. Merci. Déclaration de député, député de Niagara Centre. Merci, M. le Président. Carl Peltier a 86 ans et il a reçu un diagnostic de démence. Il est dans un centre de soins de longue durée il y a 3 ans. Sa femme s'est blessée l'année dernière et elle se retrouve dans un autre centre séparés, ils attendent toujours pour qu'ils soient réunis. Elle a reçu un appel qu'il a été agressé par un autre résident dans le centre. Il a souffert 2 côtes et une contusion à son poignet. C'est des niveaux intolérables de violence dans les centres de soins de longue durée qui sont rapportés. En 2018, il y a eu 7 homicides dans les centres de soins de longue durée à la suite de la violence entre les résidents. Ces personnes âgées ne sont pas responsables de leurs gestes. Ils souffrent d'un type de démence ou d'incapacité mentale. C'est les centres et le gouvernement qui sont responsables pour la sécurité des résidents. Les familles qui font confiance à ces centres s'attendent à ce que ceux qui sont responsables du bien-être des résidents vont toujours être professionnels et vont tout faire pour assurer la sécurité des résidents. Souvent, le personnel dans ces centres sont surchargés de travail et n'ont pas tous les outils nécessaires pour prendre soin de leurs patients. Nos parents et nos grands-parents ont pris soin de nous. Nous avons maintenant la responsabilité de prendre soin d'eux et d'assurer qu'ils ont une bonne vie lors de leurs derniers jours et qu'ils soient en sécurité lors de leurs derniers jours. Merci. Merci, Monsieur le Président. I'm delighted to stand. Je suis ravi de prendre la parole aujourd'hui pour la première fois en 2019 et de saisir cette occasion pour souhaiter tous ceux en Ontario de les meilleurs voeux à l'avenir. En 2019, j'ai eu le privilège lundi d'avoir une journée de bowling que j'ai partagée avec Andrew Leslie. C'était à Strikers Billiard à Orléans. C'est une petite entreprise incroyable dans la région d'Orléans. Nous avons accueilli 485 personnes. Et j'ai été très touché de voir combien de générations étaient présentes.
et des résidents de tous les âges qui étaient là pour participer à cet événement. Durant cette activité dans laquelle j'ai pu participer, j'ai pu entendre l'intérêt des résidents. De nos deux hôtes, Rock et Jonathan, ainsi que toute leur équipe au centre de quai d'Orléans, qui ont su coordonner nos invités pendant plus de 3 heures. Finalement, ça, je suis très ravi qu'à Orléans, on a eu 3 discussions en table ronde sur les enjeux des personnes âgées. Ils ont eu lieu dans les 2 langues officielles, ces discussions, et ce que je vais continuer de faire, c'est de continuer d'avoir ces panels de concertation et d'avoir un conseil des personnes âgées. Le conseil me permettra de connaître les besoins de la communauté. Merci. Une déclaration de député. Député de Mississauga-Malton. Merci, M. le Président. Monsieur le Président, le mois de février, c'est le mois du patrimoine, du mois de l'histoire des Noirs et de penser à leur contribution historique et aussi de sensibiliser les gens au sujet de la communauté noire et ce qu'ils ont dû à subir pour qu'on puisse nous rendre à ce point-ci de l'égalité raciale depuis que l'association a été fondée en 1985, s'attaque aux défis des immigrants et de réformer le système d'éducation ici au Canada. L'association de Malton des personnes noires a fondé plusieurs organisations telles que des services et le United Way de Peel et d'autres parties prenantes. Ils accueillent des enfants de tout mode de vie. Ils ont différents programmes et cours qui leur offrent tout au long de l'année. Durant les années 1990, ils ont lancé un programme de bourse pour les enfants d'ascendance africaine. Je voudrais souligner l'importance de ce mois parce que sans reconnaître le passé, on ne peut pas évaluer le présent et nous ne saurons pas comment procéder à l'avenir. Le 25 février, nous allons célébrer le mois du patrimoine noir et nous allons aussi de refléter sur toute la contribution de la communauté noire qu'elle a eue sur le tissu social, économique et politique. Nous saisons cette occasion pour reconnaître tout ce patrimoine très riche. Je voudrais remercier l'association et son président, M. Coquelin, pour tout leur service envers la communauté. Merci, M. le Président. Déclaration de député. Député de Brampton-Est, merci, M. le Président. Depuis que j'ai élu, j'ai soulevé à maintes reprises les enjeux qui font en sorte que Brampton est délaissé avec ce gouvernement progressiste conservateur. Des étudiants doivent passer des heures à faire le navetage parce qu'ils n'ont pas d'université à Brampton. Il y a les hôpitaux, les listes d'attente et la médecine de couloir et aussi les familles qui sont laissées pour compte parce qu'ils doivent payer des tarifs d'assurance automobile qui sont plus élevés que leurs hypothèques. Le premier ministre a été très clair qu'ils ne sont pas et le gouvernement n'est pas préoccupé au niveau du sort de Brampton. Nous sommes engagés à lutter pour les besoins des gens de Brampton. Ce gouvernement progressiste conservateur est plus intéressé dans l'intérêt des entreprises en assurance automobile et c'est pour cette raison que les gens ne font pas confiance au gouvernement parce qu'ils se concentrent sur les intérêts de quelques personnes et non pas du plus grand nombre. Ils pensent plutôt aux entreprises que le public de manière générale. Le gouvernement peut faire mieux pour mieux redonner à la société et de fournir aux gens les ressources qu'ils ont besoin pour améliorer leur sort. C'est ce qui l'équité et nous n'allons pas arrêter jusqu'à ce que nous puissions nous rendre à cette équité. Member statements, the member for Barrie Innes. Député de Barrie Innesville, merci, M. le Président. J'ai publié mon premier calendrier. Je l'ai donné à toutes les personnes dans ma circonscription.
et je voulais parler de mon calendrier. Donc, qu'est-ce qui serait mieux que d'avoir un concours pour des dessins d'enfants? Donc, j'ai demandé à plusieurs enfants dans ma circonscription de montrer quelles sont leurs activités préférées pour chaque mois. Et je me suis engagé envers ces enfants de 4 ans à 12 ans que je participerai dans cette activité à tous les mois pour le mois du calendrier. Donc, au mois de janvier, je suis allé avec Kayla Leo et j'ai joué à la ringuette avec elle. Je dois admettre que je n'avais jamais joué à la ringuette auparavant. Et c'est seulement mon assistante qui m'en avait parlé, qui a joué à ce sport pendant 20 ans. J'étais enthousiaste de pouvoir participer à une nouvelle activité et je l'ai accueilli avec de bras ouverts. Et ils m'ont accueilli eux aussi, non pas seulement parce que j'ai tombé, mais parce qu'ils étaient contents de me voir. J'ai aussi volé un cerf-volant au mois de février sur le lac Simcoe. Et on a couru partout sur la glace et on a participé à plusieurs différentes activités. J'ai hâte de participer à ces activités pour tous les prochains mois avec toutes les personnes qui ont gagné ce concours pour chacun des mois du calendrier. Merci beaucoup. Déclaration de député, député de Brantford Branch. Merci, M. le Président. C'est un grand plaisir pour moi de prendre la parole, d'accueillir tout le monde ici à l'Assemblée. J'ai raté la journée hier parce que j'étais dans ma circonscription hier et je suis ravi de sensibiliser, de parler d'un événement très spécial ici dans ma circonscription de Brantford Branch, la ville de Brantford Branch. Et le comté de Brant seront des communautés hôtes pour les activités d'hiver des gens de plus de 55 ans pour l'année 2021. Ça réunit des gens de plus de 55 ans pour différentes activités. Cette compétition sont une célébration de nos athlètes et des coachs ici dans la province. Les Jeux ont lieu au mois de février avec plus de milliers de participants. Ça fait aussi la promotion des activités en santé et de bâtir sur les expériences des communautés, des ressources pour être des endroits hôtes pour ce concours. Je voudrais remercier Donna Clentz et Russell Press pour avoir fait la demande et d'accueillir cet événement. Mais un des éléments clés, c'est toute l'équipe bénévole avec leur connaissance, leur hospitalité et leur enthousiasme. Ils sont un aspect essentiel pour cette activité et j'accueille tout le monde de participer à ces Jeux. Et notre mot dièse et notre cœur est dedans. Merci. Cela conclut le temps que nous avions pour les déclarations.